nous dénoncer arrêter ça et nous dénoncer tout parce que arrêter ça voulait fragiliser l'indépendance OPC qui sont institution grand monde, il voulait fragiliser également l'indépendance protecteur là. Nonobstant expiration mandat protecteur là, loi dit que protecteur citoyen rete en poste jusqu'à ce que un successeur qui nomme. Et comment pour nommer successeur protecteur là, il faut que gagne un appel à la candidature, même si ça a été fait en 2017, qui fait par les deux branches du Parlement. Et il faut que ce Parlement qui voie trois noms par le président de la République là, pour le président de la République là, choisit un nom. C'est ça la loi organique OPC a dit et de façon claire. Au niveau de l'OPC, nous pas entendre baisser les bras. Et nous pas baisser les bras, n'a pas utilisé toutes les armes pacifiques, toutes les procédures légales, et bien pour bagarre ça pas passer. Au niveau du cabinet de l'OPC, cabinet d'avocats, le cabinet Patrick Laurent, et bien il a déjà saisi deux dossiers, et il y a une disposition qui commence à prendre, rédaction commence à faire de actes, et bien pour yo introduit dossier par devant les instances nationales. Parce qu'il y a une instance nationale qui l'a pour le statut pour prononcer sur question. Et à défaut de instance internationale, nationale, il y a des instances internationales également parce que OPC fait partie de la grande famille des INDH. Donc OPC appartient à plusieurs institutions internationales qui travaillent sur question droits de l'homme à l'échelle internationale.